Bonjour tout le monde et bonjour à tous nos pèlerins et auditeurs. Alors, nous sommes le 31 octobre. Il est actuellement 16 heures pile et nous allons procéder dans un instant aux trois tirages pour des billets pour deux personnes afin de vivre un pèlerinage en Terre Sainte. Bonne chance à tous ceux et celles qui ont participé. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Ève Régnier. Je suis la représentante du cabinet comptable chez Mallette. Et c'est moi qui vais représenter le cabinet aujourd'hui. Donc, Mallette est la firme comptable qui a procédé à la vérification de 3500 billets en circulation pour l'ermitage Saint-Antoine de la Gouchette. Suite au travail effectué, je vous confirme qu'il y a 2668 billets dans le baril actuellement. Ainsi, prenez note que les membres du conseil d'administration de l'ermitage ainsi que les membres du personnel de chez Mallette ne sont pas admissibles au tirage car ils n'ont pas le droit d'y participer selon la politique d'indépendance. Pour chaque billet tiré, je procéderai à la vérification sur la liste de tous les billets vendus et inclus dans le baril. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance à tous. Nous procédons. Oui, le premier. Oui. Alors, on tourne, il faut tourner. Oui. On va tourner un peu. Oui. Avec 2668. Oui. Ah, c'est énorme, ça. Merci beaucoup. Alors, voilà. Une première capsule. Oui, j'ouvre moi-même. Bien sûr. Ah, voilà. Tout est fait selon les règles. Hein? Bon, bien fermé. Oh! Alors, nous avons ici le premier billet au nom de Ville de Roberval. Ville de Roberval. Le numéro du billet est 0160. Félicitations. On va tout y aller, c'est plaisant. On va tout y aller. 160. Et François, ça va être la fois. L'île de Roberval, c'est parfait. C'est exact. Oui. Très bien. Je ne sais pas qui on va devoir rejoindre. Si on... Le secrétaire. Le deuxième. Ville d'Allemagne. C'est coutumé. Liliane Papillon de Québec. Billet 1284. Papillon, c'est parfait. Félicitations. Félicitations. Madame. De Chersey. Le numéro de billet. Le numéro de billet, 23-24. C'est une pèlerine, probablement. Oui, certainement. Ouais. Chemin du lac Brûlé, qui aurait pu être à côté. Oui. 23-24. Alors, félicitations à tous les gagnants.
Merci d'avoir contribué, d'avoir participé à cette magnifique campagne de financement au profit de l'Ermitage Saint-Antoine. Et pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de gagner, vous êtes quand même invités à participer au pèlerinage en vous joignant au groupe de pèlerins en septembre 2019. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une bonne période de préparation au temps des fêtes.